Retour sur Gaming TV pour la troisième game de cette journée, deuxième journée de la deuxième semaine, et on a un match importantissime pour le G2, pour l'Europe, pour tous les supporters de la première équipe européenne. Chap, G2 doit le faire face à Samsung qui a quand même montré de belles garanties face au Fenerbahçe Esport Club, même si... Il y a de la différence entre les équipes. Ouais. Il y a de la différence, ouais, c'est vrai que là, on va dire que la deuxième place se joue plus ou moins... Au moins la qualification, je pense que se joue sur ce match. Donc ça va être tendu. Va falloir que les G2 le fassent. Et on rentre dans la phase de draft. Chap, Samsung Galaxy, les G2 qui vont avoir quand même cet avantage de draft red side. Donc une capacité de counter pick sur la mid lane ou sur la top lane, même si on est quand même plus dans une méta de priority pick que dans une méta de counter pick. Exactement, ouais, on veut plutôt... Après, sur la deuxième rotation de ban, on préfère... Enfin, sur la deuxième rotation de pique, on préfère parfois même pique une espèce de Galio, un truc comme ça qui peut aller sur les deux lanes. Faut voir ce que les G2 vont faire à ce niveau-là. Niveau des bans, on a un Jarvan, Gragas, Kalista, Talia. Qu'est-ce qui va nous rester? Peut-être une Tristana, une Xayah qui pourrait être ban. Peut-être une Janna Lulu, histoire d'avoir une game peut-être un peu plus agressive que ce qu'on a d'habitude. Faut voir. En tout cas, les Ardennes qui sont quand même pas mal prioritarisés ouais. dans cette méta. Rakan, je pense que c'est intéressant d'enlever Rakan à Mithy parce que c'est vraiment le profil du joueur d'être à l'engage. Et du coup, après, ce que disait Mithy en interview, Trick engage très bien. Donc j'ai pas vraiment besoin de le faire, mais je trouve que Mithy est plus fort quand il a la capacité d'engage. Après, engage et follow-up, hein, c'est sûr que Rakan, ça peut faire les deux. Et surtout, ça alloue le pick chaud. C'est-à-dire que vu que Shaw c'est pas un bon pick d'engage, c'est très fort quand t'as Rakan à côté et on va pas de la sèche. Du coup, Rek'Sai devient un pick intéressant et on va prendre la Elise immédiatement pour Trick. Elise. Ah, ils veulent vraiment accélérer hein, leur phase d'early game, j'ai l'impression, les G2 un peu à l'image des Fnatic. Ah, c'est intéressant ce pick Elise. Après, ouais non, je pense qu'on va plutôt se diriger vers un petit Kog'Maw Janna là, côté G2. La Elise, aussitôt dans la draft, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il reste que... Ouais, après, il reste pas grand-chose dans la jungle. Il reste Rek'Sai, il reste Elise, potentiellement Maokai, même si on l'a plus trop vu. Janna... Ouais, la jungle peut être intéressante comme à récupérer, parce que si jamais t'as la first pick sur Lulu et qu'en plus t'as la jungle, t'es quand même très bien dans ta draft pour Samsung Galaxy. Ouais, le petit Janna Kog'Maw qui va être lock, je pense. Ouais, Janna Kog'Maw, c'est fort. Dans la jungle, Trick il joue Nunu, il joue Ivern. Bon, en plus, il a vraiment un très bon Graves, etc. Donc, je pense qu'il est pas dérangé trop par les jungle. Il a une draft possible en jungle qui est assez ouf, mais. Ah, c'est pas mal parce que Samsung, ils ont pas d'engage là. Ils ont pas d'engage. Avec les mid laners de la méta qui sont pas du tout des mid laners à engage, à moins qu'ils reprennent un Malza. Et avec les balles qu'il y a sur les junglers, il n'y a pas réellement d'engage chez Samsung. Ouais, c'est ça, là, il pourrait, pourquoi pas, jouer un Ivern ou un Nunu. Après, honnêtement, la dernière fois que j'ai vu le Nunu Trick, c'était pas fou, quoi. C'était un event inter. Ok, donc le Maokai qui va être lock pour la top lane, j'imagine. À part s'il décide de mettre le Maokai Shogat en jungle, ce qui pourrait être possible, hein, vu les bans qui ont déjà été faits. Mais bon, ça resterait étonnant. Est-ce qu'on va target la jungle ou on va plutôt target la mid lane? Normalement, c'est plutôt la mid lane sur la deuxième rotation de ban. Normalement, non, en fait, le truc, c'est que si tu. Y a des, après, surtout que les mid laners qui restent, Chap, c'est des mid laners qui sont très bons pour le 2v2, mid jungle. Et on va battre le Malza quand même, hein, les Samsung qui ont fait impression. La Rek'Sai, donc on va ban, du coup, mid ou jungle, c'est plutôt. Ça dépend des équipes, parce que Samsung ban la jungle plutôt. C'est que c'est obligé de ban les junglers forts, sinon ils vont avoir une initiative que les. Vu que c'est les premiers à pique après la deuxième rotation de ban. Ouais. Ah, je sais pas, là en fait de ce que font les Samsung, il est possible que le Shogat soit jungle en fait. Parce que je vois pas vraiment de raison de ban autant de jungle si les adversaires ont le first pick en fait. Donc il est possible que le Shogat soit jungle, on banne le Lucian pour la mid lane. Ils vont prendre Orianna. Ah là le truc c'est que les G2 vont avoir beaucoup de dégâts magiques hein, s'ils prennent un AP mid. Ah là là, Ryze, le win rate de Ryze. Attends, je vais repick. Je vais donner le win rate de Ryze dans les Worlds, c'est terrible. Après, c'est Perkz sur Ryze quoi. Disons que là il y aura pas mal de CC mono target, moyen de tomber quelqu'un assez rapidement. Est-ce qu'ils vont relock le Kha'Zix Ah, cette fois-ci c'est pas Fenerbahçe donc va falloir faire attention. Et le Kha'Zix est relock par les Samsung. Ambition sur Kha'Zix une deuxième fois. Aucun problème, où est l'engage? Parce que là il n'y a plus de Malzahar, où est l'engage du côté Samsung? Là il n'y a aucune engage contre une Janna, contre un Maokai en plus qui peut disengage assez facilement, contre un Ryze qui peut disengage assez facilement. Le fameux Galio, c'est vrai qu'il n'était pas ban. Après, si Twitch est derrière, les G2 sont vraiment bien. Après ça leur rajoute pas forcément d'engage, hein. Là c'est un Kha'Zix qui jump. Oh non. C'est le pire pick du monde. J'aime beaucoup en fight, mais alors par contre, ton clear jungle, non mais en fight ça reste fort, le problème c'est ton clear jungle. Oui, le clear jungle est horrible. Là ils vont pas lock Zac. Ils vont lock Zac. Ah le malheur, catastrophe. T'y crois absolument pas? C'est horrible. Face à Kha'Zix ça paraît compliqué quand même. C'est le pire pick du monde Zac. Après... ça a toujours. En fait, le truc c'est que l'early game est incroyablement weak. Je pense que c'est peut-être le jungler qui est un des clears dans les junglers de cette année. C'est peut-être avec. Dans tous les junglers qui ont été joués cette année, je pense que c'est celui avec le clear le plus long. Ah oui, de très très loin. Enfin, je pense que. À part de se mettre sur une Anivia jungle, j'ai rarement vu un pick qui a un clear aussi difficile. Donc. Bon, on verra peut-être qu'il a... Après c'est sûr que... Après ils ont des lanes assez fortes. En late game ça peut faire des trucs. Hein, mais... Ils ont des lanes assez fortes G2 parce que en fait les lanes, entre guillemets les pics faibles de G2 sont compensés par le fait qu'en face il n'y a pas vraiment d'adversité. Faut voir. Parce que Galio va pas sortir Ryze de lane. Ouais. Maokai il va pas se faire sortir de lane. Kog'Maw et Janna ça se fait pas du tout sortir de lane. Le push peut-être quand même de Tristana Lulu peut déranger la Kog'Maw Janna mais bon, a priori on l'a quand même suffisamment vu. Je suis pas un grand fan en effet de cette draft de G2. Après s'ils arrivent en fight, ils ont une compo qui est monstrueuse. Ah oui clairement en teamfight ça va faire très mal. Surtout sur le Twitch. Ils vont avoir vraiment du mal à s'exprimer je pense en teamfight. Et le Twitch, par contre le Twitch, honnêtement Twitch, Lulu et Galio restent un combo monstrueux. Hein. C'est très difficile de chercher un Twitch avec cette draft là. Et je suis pas un énorme fan à titre personnel de Ryze quand il y a Twitch en face. Ouais, c'est assez courte range le Ryze. Il aura peut-être un peu du mal à sortir le Twitch, surtout qu'il aura énormément de protection ce Twitch. Là, ça va être à qui tombe les frontlines le plus rapidement et on a un Kog'Maw, donc ça peut aller très vite. On a beaucoup de sustain également hein, côté G2 au niveau de la frontline et même avec la Janna par-dessus. Va falloir forcer au moins peut-être un... Bah, il n'y aura pas de Morello sur le Galio je pense. Et un exécutionnaire sur le Twitch. Ouais. Et c'est pas quelque chose que t'aimes faire un exécutionnaire sur Twitch en général. Ah, t'aimes accélérer ton optimisation avec Twitch parce que surtout que les dégâts de Samsung, à moins qu'Ambition fait ce feed en early, eh bien se situe essentiellement au niveau de Ruler. On va voir ça, écoute, Chap. Trick qui va partir donc au niveau de ses Corbins. Ah, le start Corbin est greedy avec Zac parce que si tu te fais counter, tu peux pas faire grand chose, c'est-à-dire que tu mets 30 secondes à les faire, tu perds beaucoup de points de vie. Et il n'y a pas de ward en plus là sur Ambition, il n'y a pas de trinket qui a été placé par la mid lane du côté G2. Ambition qui pourrait... Est-ce que c'est pas le moment où tu cheese? T'as un Kha'Zix, en face de toi t'as un Zac, et d'ailleurs il y a un trinket par contre qui a été placé en early dans la rivière bot sign. Donc on s'attend peut-être à un invade, la peanut en fait où tu te fais leash ton buff, tu te fais pull ton buff. Et derrière tu vas directement dans la jungle en face pour aller contester le buff adverse. Ah oui là je pense que c'est ce qu'ils vont faire, la Crown qui va aider Ambition qui va sans doute clear que les petits Vrace. On essaye d'invade et ouais Trick qui start au raid. Ambition. Oh Perkz qui a tout récupéré. Aïe, oh aïe, la catastrophe. Aïe. Perkz a récupéré 4 CS là-dessus. C'est merveilleux ce que vient de faire Perkz. C'est incroyable. Hein. En fait juste ce move là. Permezac, ah ouais, oui, c'est monstrueux ce qu'il vient de faire Perkz. Et il passe niveau 2 sur les 3 premiers mêlés. Aïe aïe aïe, Ambition qui fait la grimace là-dessus et Zac qui est et très Crown, très content. Qui est complètement zoné hein, parce que là au niveau 1, la cache qui passe. Perkz qui peut, voilà, il peut complètement encaisser les attaques des casters. Et ça, il adore. Hein. Le lane kingdom de Perkz, il a l'habitude. Hein. Il a réussi à jouer contre tous les meilleurs mid laners du monde. Il a clap faker. Il l'a fait. Hein. Clairement, MSI. Ils sont peu à l'avoir fait. Et il en fait partie. Et du coup, voilà, Zac qui est content dans sa game. Ah, Zac, il est bien. Il va pas du tout être dérangé. Hein. Ouais, il va pouvoir scale tranquillement. Il va avoir besoin de scale. Zac, maintenant, c'est un perso qui scale. Bon, c'est pas mieux que Kha'Zix, je pense. Il aura toujours des problèmes si Ambition se décide de jouer un peu agressif. Par contre, il faut pas que Ruler prenne l'avantage en early. Oh là Sven là et Mithy, bon, c'est pas grave. Potion rechargeable en plus pour Mithy, hein, donc il faut quand même être vigilant. Donc CuVee arrive sur le top side de la carte. Sven qui se fait encore agresser par CoreJJ et Ruler, les auto-attaques qui pleuvent. Ambition qui arrive sur la mid lane sur Perkz. Perkz a son flash, la cleanse qui a été lâchée. Perkz qui se retourne, Perkz les dégâts. Perkz, attention quand même sur le mid laner des G2 Esport qui va probablement revenir avec un cristal de saphir. Et l'Ambition qui sait à peu près où on est son adversaire et qui va venir sur le top side de la carte. Attention au push sur Expect, même si théoriquement dive un Maokai c'est difficile. Ouais, dive un Maokai c'est suicidaire à ce niveau là de la game. Trick qui est bot side, du coup ils ont l'info, les Samsung. Ambition qui va prendre du coup un petit camp de jungle pour se venger du méfait qui a été accompli par Perkz au niveau 1. Et Trick qui va aller, j'imagine, poser ses wards, utiliser ce petit pollen. Ouais. Le but à 100 pour Trick, c'est de contrôler son espace de farm, c'est tout. Ouais, ouais, clairement. Et j'aime beaucoup cette optimisation de Perkz, déjà qui craque pas son flash, donc il va garder quand même une bonne pression au niveau de la mid lane. Et qui revient avec des bots juste pour avoir un bon contrôle de lane. De toute façon, il n'est pas là pour sortir Crown de jungle. Il est juste là pour que son équipe soit forte au moment où Trick va pouvoir rentrer dans la backlane. Oh, Trick qui va pas grid les golems là-dessus, c'est bien eu. Hein. Il a absolument pas la pressure mid, enfin, ouais. Absolument pas la pressure bot. Cette ward est très importante. Ouais, ouais. De toute façon, c'est le timing. Hein. Non, c'est le premier. Là, c'est le premier camp. Il a pas clear les petits. Exact, c'est vrai. Bah oui, parce qu'ils l'ont volé. Il a pas clear le gros. Trick qui back, qui achète son item award. À partir de là, il va pouvoir commencer à prendre la vision pour se cover lui-même déjà et pour cover ses alliés. Et là, Ambition, le truc c'est que théoriquement, il va juste mettre une ward parce qu'il sait normalement qu'il est parti au corps main en early. Et voilà l'agression qui va partir sur la cage, c'est bien joué du côté des G2. 1, 2, on le ramène une deuxième fois. Bon. Ça reste un Galio sur la mid lane. Ouais, et c'est dur de faire quelque chose, surtout que Perkz a pas non plus énormément de mana. Attention, il va tomber sur CuVee. CuVee qui va lui mettre pas mal de dégâts. Il n'y a pas vraiment de follow-up de la part de la mid lane. Il va flash out quand même. Trick qui se fait bully par le top laner adverse. Ouais, ce décalage est intelligent hein, de la part des Samsung. Et surtout sur un timing 4-20 qui permet en fait de récupérer les corps mains. Attention, CuVee qui va la smite quand même sur le gros corps main pour maintenir quand même son XP, et tu le vois, regarde au niveau du farm, il y a quand même 21 creeps pour Ambition et 14 pour Trick. Ah, malgré le style en early de Perkz, Trick qui galère un petit peu. Là, il s'est rendu compte que ses golems étaient faits. Il va devoir se diriger vers le bot side où il sera vu grâce au ward qu'Ambition a posé un peu plus tôt. Trick, on le voit, hein, on voit qu'il a un match-up extrêmement négatif. Regarde où il a posé ses wards. C'est juste pour se couvrir lui-même, c'est même pas pour couvrir ses alliés. Ouais. Il les a posés dans sa top jungle pour se couvrir lui-même. Et là, ça peut être un peu problématique, étant donné que Perkz a plus de cleans. Sur une bonne engage de Crown, il y a peut-être quelque chose à faire sur la mid lane. Après, il a toujours son flash. C'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'il a... En fait, l'intelligence, c'est que tes sorts d'invocateurs sur la mid lane, quand ils sont défensifs, tu veux jamais utiliser les deux d'un coup. Et Perkz, là, en fait, il va récupérer sa cleanse sur le timing de son flash. Donc là, s'il se fait aggro, il peut flash et après, il aura la cleanse. Donc, théoriquement, en plus, là, sur l'alarme de la DS, il est pas trop mal. Ouais, les niveaux des timings, la Perkz c'est pas mal, il va pouvoir scale tranquillement. Il n'a pas grand chose à faire, hein. De toute façon là il a pas de pression à prendre. Il sait que s'il se comique trop, il va prendre des ganks tout simplement. Il n'a pas forcément l'aide de son jungle, et même si son jungle décide de gank la mid lane, c'est deux personnages AP contre un Galio, ça passera sans doute pas. Ouais. Ça passera sans doute pas, même là, honnêtement Trick a pas grand chose à faire sur la map, hein. Là la game est un peu lock. Jusqu'au moins quelques items sur le Kog'Maw. Voilà, il faut de toute façon, enfin encore une fois, les G2 ont pris une composition full scaling. Ah, c'est terrible. Full scaling. Trick qui se fait counter par tout le monde. Hein. Il faut être fort mentalement hein, quand tu joues Zac. Il faut, en plus ouais, CuVee, voilà, il a un show. En même temps, show c'est très très fort là-dessus, c'est que tes premiers stacks en fait, t'as pas du tout envie. Tu peux aller les récupérer sur la jungle adverse, c'est même mieux de le faire parce que tu peux push assez facilement. Et donc là, bah, Trick qui se retrouve un peu derrière. Après, en jungle, maintenant tu dis derrière, tant que t'es au même niveau que ton adversaire, tu t'en fous un peu. Hein. C'est sûr. Après, tu perds des golds. Donc tu perds en tankiness, en efficacité, mais ils veulent. Tu vois, pour Ambition, perdre des golds, c'est dur parce qu'il perd en dégâts et c'est que son rôle. Mais Twix, il suffit qu'il mette un bon bounce dans les fights et en fait, il retourne le cours de la game, donc notamment sur le Twitch. Après, là, oui, il y a un décalage d'XP entre Ambition et Trick, donc ça, c'est gênant. C'est sûr. Après, là, Ambition qui avec son niveau 6, va pouvoir commencer à jouer dans la jungle adverse beaucoup plus. Étant donné qu'il a beaucoup plus de DPS en single target. On va reposer des wards. Ça beaucoup. Hein. C'est important, hein, le contrôle sur le Zac. On veut l'empêcher de scale au maximum. Est-ce qu'on jouerait pas un peu autour du Drake maintenant qu'Ambition a son niveau 6? C'est un Drake d'air, c'est pas très intéressant. Attends, parce que là j'ai l'impression que ça veut passer derrière du côté d'Ambition. Ça veut dive, on va prendre la pression mid, j'imagine, côté Crown. Peut-être forcer une TP de CuVee. Allez, il faut absolument que Sven wave clear vite, hein, parce que Trick est en renfort. Trick qui arrive, c'est cancel, c'est cancel, c'est cancel. Trick qui arrive, on va essayer de le go, hein. On va essayer de le go, il y a tout le monde qui décale sur lui. Ils sont 4 joueurs sur Trick, le bulbe. Et là, il y a une expérience, il y a une XP de jeu énorme, hein, du côté des G2 qui ont tout de suite senti en fait le déplacement du bot, le call de Mithy qui dit on recule. Alors là, ils vous contestent le buff. Zven et Mithy en renfort. Ryze qui peut pas vraiment rentrer et c'était récupéré par Ambition. Ambition qui l'a récupéré. Et là, on va invade les loups. Mais ça a été vu par les wards défensifs de Trick. Ce qui va... Voilà, là, Ambition a complètement l'info sur Trick. À tout moment, ça veut partir. Mais le problème, c'est que Perkz est dans le coin. Ouais, Perkz... Là, il le joue pas, il joue pas. Tactiquement, là, les G2, ils jouent très bien. Parce que en face, laisser la vision à une équipe coréenne avec un jungler faible, c'est quand même une mission qui est très complexe. Ah ouais. Et donc ça demande vraiment une maîtrise tactique. Et je pense que d'ailleurs, dans les grandes forces, parce qu'on parle souvent de leur style de jeu en fight, le style de jeu lent, etc. Mais une des grandes forces de G2, c'est de très bien savoir jouer la serrure en termes de vision et jouer avec peu de vision. Et regarde, ils arrivent à match complètement leurs adversaires. Et au final, même s'ils ont un déficit de farm dans la jungle, ils sont bien. Regarde, au niveau des golds, Samsung n'a pas transformé l'avantage en kill ou en objectif pour l'instant. Ah, c'est intéressant quand même ce pick-zack, parce que du coup, chaque camp en early game devient un objectif. C'est ça. Donc, même si le pick est vraiment ultra faible, à mon avis, ça dynamise un peu l'early game. En tout cas, il y a des histoires à raconter, ouais. C'est ça, voilà. On s'ennuie pas, c'est pas comme si c'était une CeJuani qui fait que farm. Exactement, une CeJuani ragasse. Ambition qui attend. Oh là là, Trick qui prend cher quand même. Hein. Trick dans l'œil du cyclone, hop. On veut essayer de ramener. Eh non. il peut pas farm. Après, honnêtement, alors. Question à toi, voilà, le spécialiste de la jungle. Entre un Zac qui a peu farm et un Kha'Zix qui a peu farm... Ah, c'est quand même le Zac, c'est quand même le Zac qui est gagnant. Hein. Ouais, le Zac est gagnant parce que le Zac, s'il arrive à mettre un E dans la backlane et ensuite un R ou même un Q-spell, il est impactant. Kha'Zix, il sert à rien du tout s'il n'a pas son warrior là. Ah oui, là Kha'Zix, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui, sachant qu'en plus de ça, il joue contre double frontline plus une Janna derrière. Par contre, il se fait counter, regarde, il se fait encore counter au topside, hein, par CuVee. Là, il a pas de farm. Oh, ça rend fou, hein. T'es Trick là, mais t'es trop triste, hein, d'avoir un mec qui t'emmerde comme ça dans ta jungle et que tu te fais counter tes camps de l'autre côté. C'est la 15e fois qu'il reset ce groupe quand même, hein. Ouais, je pense que c'est le groupe le plus résistant de l'histoire. Et là par contre le truc, c'est qu'il a free jungle Ambition derrière. C'est ça, pour l'instant là Ambition, sa jungle a respawn. Et s'il joue bien, je pense qu'il peut même counter les vrais adverses là, sur ce timing là. Et Trick qui a un niveau d'avance. Trick, c'est colossal. Trick, non, il est au même niveau 7-7. Il vient de level up, Ambition, il vient de level up, autant pour moi. Incroyable, 39 creeps contre 50 et Perkz, ça c'est bien du côté des G2. On joue la vision en permanence, Ambition qui va devoir du coup aller... Non, Ambition qui voulait accélérer, mais le pollen qui vient de découvrir avec... Ouais, je suis pas sûr qu'Ambition ait envie de face Perkz là. Ah, il a pas encore son barrière, on va enlever cette pique. Fraîchement posé, Mithy qui est en train de débarquer dans le topside. Attention aux dégâts, Perkz, il n'avait pas envie de le face. Par contre, il est arrivé de 3 joueurs, ça va faire un 3v3. Ambition, Crown, CuVee, Perkz qui va aller jusqu'au bout avec l'ultimate. Pendant ce temps, il y a le pile de Janna, on va aller derrière Ambition, le flash out du jungler, le flash in, et finalement les dégâts de Perkz, peut-être pour le first blood, l'auto-attaque. Perkz qui ira jusqu'au bout, chercher dans la jungle, un Gromp qui reset pendant 4 heures, et la mid lane prend de l'avance. Par contre, sur le bot side, c'est le feu au niveau de Ruler et de CoreJJ. Et là, un très bonne décale de Mithy, hein, Mithy qui a complètement anticipé ce move sur les Vrace et qui a décalé là où CoreJJ et Ruler sont restés sur leur botlane et ils n'ont même pas récupéré la tourelle sur cette situation de 2v1. On a Trick qui est en train de débarquer, on n'a pas Ambition, on n'a pas l'ultimate de Crown, c'est un bon timing pour faire une agression. CuVee n'a pas de mana, c'est un bon timing pour faire un gangbot, malheureusement c'est wardé. ses spots et Trick qui va continuer de, qui va retourner dans sa jungle et continuer à farm. Et l'agression sur Ruler, on va revoir le move. Ambition peut-être qui se fait un peu warbait là-dessus. Et voilà le dégât de Perkz. Après Perkz il avait 4 à 10 et l'alarme de la DS sur ce timing là. Donc il va quand même aller sur Ambition. Et là l'ulti est tellement bien sur la bordure de l'ulti. Flash in, la cage. Première auto-attaque et l'auto-attaque parfaitement jouée de la part du midlaner des G2. C'est propre, très bien joué de la part de Perkz là-dessus, qui récupère donc le first blood pour son équipe qui est devant en gold de 500 gold avec un match-up jungle horrible. Et ils arrivent quand même à être devant, et en plus de ça le Trick qui arrive à être devant Ambition. Peut-être les Samsung Galaxy qui se font un peu bait par ce pick Zac qui force peut-être trop l'agression dans la jungle. Et au final, il n'arrive même pas à snowball. Est-ce que c'est un plan de jeu ça? Est-ce que c'est un plan de jeu de prendre un jungler faible et de dire ils vont s'empaler sur nous? Bah ça peut honnêtement, enfin je connais pas la réflexion derrière la draft des G2, mais ça pourrait totalement être le plan de jeu des G2 là-dessus. Hein, parce que mid, on a un match-up plutôt à l'avantage de Perkz. Je pense que Crown n'a pas la possibilité d'avoir le push vraiment en early game, surtout contre un Ryze quand il commence, voilà, il one-shot les waves avec un double EQ spell. Ça pourrait honnêtement, et pour l'instant ça se passe vraiment très bien pour eux. Après faut être fort mentalement parce que te faire contester tous tes camps, il faut une patience énorme. Ah ouais, c'est dur, hein. Mentalement c'est dur. C'est la game de la souffrance, mais c'est aussi la game du scaling, hein, pour les G2. Regarde, Ginzu en poche pour Zven, l'encensoir ardent pour Mithy. En face on a, prévu un Runan pour Ruler. Et on est dans un spike qui est intéressant pour les G2. Puisque le séculaire vient d'être récupéré par Perkz et le Cinder Hulk a été récupéré par Trick. Après, il n'y a pas réellement d'objectif à prendre, hein, sur la carte puisque le dragon vient de tomber. Mais en cas de regroupement, les G2 ont un avantage quand même. Attention, Trick là-dessus qui est en train de se faire décaler par la botlane. Trick qui va devoir flash out. Il se fait pas cancel. Lulu qui aurait peut-être pu ultimate sur Ambition pour cancel la canalisation du E de Trick. Et Trick qui va s'en sortir. On reprend la vision dans le bot side, du coup côté Ambition. Ambition qui aime bien ce bot side, j'ai l'impression. Bah, disons que c'est l'endroit là où il a complètement la pression des lanes, hein. À part quand évidemment Ruler et CoreJJ décalent. Maintenant qu'il y a un Runan, ça push très vite. Et il a le backup évidemment de Crown. Après jouer topside aussi c'est intéressant parce que l'Evrace est le camp qui rapporte le plus d'XP en jungle et qui rapporte le plus d'XP quand t'es derrière évidemment aussi, ouais. Parce que le catch-up expérience en fait c'est flat. Et ouais. Quand t'as un niveau derrière, c'est 30 d'XP par camp. Pas par ambition l'agro. La grosse ambition, Perkz derrière sur Ambition, on va mettre la cage. Twig derrière, l'ulti de Galio, ça va être désengagé par Perkz, c'est bien joué. Perkz qui peut aller chercher Twig 1 puis 2. On arrive à récupérer deux joueurs. Perkz qui essaie de mettre des dégâts, mais pour l'instant c'est sur Crown. Le bounce qui va passer sous la tour. Twig qui prend l'auto-attaque. Et finalement il y a le passif, c'est Twig qui va tuer Ambition. Les G2 qui arrivent à faire la différence. CuVee sera en retard. Parfaitement joué de la part de l'équipe européenne sur cette phase de jeu, et on va repartir sur le top side. Ah mais Trick qui est en train de complètement out-jungle Ambition, il le prend à son propre jeu de counter jungle, et ils arrivent bien à punir, hein, ce Ryze qui met un route de 2 secondes, ça fait mal, hein. Le Ryze qui fait quand même pas mal de dégâts, qui en plus ça met des CC très longs, c'est très punitif, hein, pour Ambition, et là on voit Ambition qui a directement acheté des mercures pour plus se faire avoir par ce Ryze, et pour pouvoir counter un peu plus la jungle facilement. Le truc c'est que je pense qu'à ce moment là, à moins vraiment de le choper sur des camps, une fois qu'il a le Cinder Hulk, il arrive à jungle assez correctement, Zac, clairement. Et donc il est plus vraiment dans un timing aussi, en tout cas c'est pas que le timing est fort ou pas, c'est plus qu'il est moins fort qu'en very early. Et il est moins vulnérable. Et voilà, Trick est plus vulnérable, hein. Normalement il va quand même être toujours moins mi-PV, avec son passif là on le voit, Trick qui ramène Ambition, qui peut strictement rien faire. Ah c'est bien joué, c'est très bien joué. La gestion du passif est très bonne. Trick qui est très bon, hein, dans cette game, qui arrive à faire le dos rond jusqu'à cette journée même. Ah oui, dans cette journée, il a fait une très bonne première game. Trick et Perkz qui jouent très bien là, ensemble. Ouais. Et sur le bot side, ce qui est aussi à noter, c'est que Zven est devant en termes de farm. Maintenant, c'est normal, l'œil du cyclone, eh bien, va arriver à son niveau max. Sven a le barrage bioarcanique au niveau max, donc il jouit d'une portée supérieure à celle de Twitch. Et donc, il peut commencer à punir en fait le positionnement de Twitch quand il veut clear. C'est pour ça d'ailleurs que Twitch est parti sur un Runan, c'est pour garder la push pressure sur le bot side. Et l'arrivée de Trick sur la mid lane, Crown, on va réussir à le ramener peut-être avec le Q-Spell, Perkz. C'est un Galio, tranquillement, ça prend aucun dégât. Et très bonne mécanique là-dessus de la part de Crown qui utilise son taunt sur la deuxième activation du Q-Spell. Du coup, il est obligé de mettre l'auto-attaque sur Crown, étant donné qu'il est taunt. Attention, ambition là-dessus qui va se faire route encore une fois. Deux secondes. Il n'y avait rien à auto-attaque. De toute façon, il y avait CoreJJ, donc entre le polymorphe, la croissance prodigieuse et d'autres shields. Le backup de Crown, enfin là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est dur de kill hein, quand même pour les G2. Ouais, c'est très très dur. Là, botlane, si c'est un 2v2 où Mithy et Zven sont là, Zven va juste auto-attaque la wave pour la push. Et Ruler est obligé de faire attention parce que même sans la Guinzo stack, je pense pas qu'il gagne le 2v2. Non, c'est impossible. Et avec la Guinzo stack, c'est un massacre. Bah parce qu'en fait, ça y est, la Mithy en plus à son niveau 9. Donc t'as l'œil du cyclone maxé, t'as le barrage volcanique maxé. Et en fait, si jamais Zven, d'ailleurs, gère bien au niveau de la wave pour mettre ses stacks avant de lancer le trade, et bah, ils peuvent vraiment faire très très mal, ouais, les G2. Ouais, les G2 qui ont le match-up bot à partir de maintenant. Je pense que niveau scaling... Par contre, non, ils gagnent le push, parce que en fait, le Runan force ça. Et d'ailleurs, les G2 qui sont intelligents, ils se disent, bon, on encaisse la première tour, et du coup, on part directement sur le top side. C'est le problème pour G2, c'est qu'ils gagnent la jungle, ils prennent les kills, mais en termes macro, il n'y a pas du tout dead de Trick sur le bot side, donc les Samsung ont en profité pour aller mettre la pression. Et il y a l'âme d'infini hein, qui est récupérée directement par Ruler. Attention, ouais, Ruler là qui a ces deux items qui a même pas de bot. C'est étonnant quand même, pas de bot. En général, on aime bien les faire assez tôt dans la game parce que ça porte 30% d'attack speed, 35% d'attack speed, ce qui est pas négligeable du tout. Et Ruler qui préfère skip ses bots pour rush ses items critiques. Il les a assez tôt quand même, hein, 18 minutes dans la game, c'est vraiment tôt pour avoir ces deux items là. Et du coup on a eu un re-swap lane pour les Samsung. On va se face en 2v2 sur la top lane, conteste le Herald, sauf que CuVee est là et Expect n'est pas là, il a pas de TP, donc je crois que ça va être concédé par les G2. Je sais pas parce que si il tempo une seule fois, Expect aura sa TP, hein. Il est quand même très très proche de l'avoir. Il est en train d'arriver, hein. Ça fait un conk sur la mid lane, mais voilà, c'est... Encore une fois, c'est pas attrapable. Ouais, mais au moins voilà, ils l'ont disengage et maintenant Expect va avoir sa téléportation. Oh non, Ambition qui continue. Non, ouais. Ah, il l'avait ramené un petit peu loin. C'est peut-être dommage là-dessus, on a peut-être pas l'info sur la téléportation de Expect. Ils peuvent pas fight, il y a le déplacement de Trick qui va revenir dans la rivière topside pendant qu'Ambition est en train de le faire. Sur le bot side, ça push, Expect dispose désormais de sa téléportation, ils sont 3 les joueurs des Samsung sur l'objectif. Pas de défense des G2 qui perdent la première tour et qui vont laisser les joueurs coréens récupérer le rôle de la fight. Peut-être une erreur d'un point de vue tactique. Ah voilà, là clairement il y a un problème, hein. On voit, en fait ils sont allés donner le bleu à Perkz sur le timing Herald, et malheureusement bah, ça n'avait plus de mana instantanément. Hein. Ouais, Perkz n'avait plus de mana, ça a sans doute été calculé par les Samsung sur ce call. Et Samsung du coup qui sont pas trop mal, hein. Malgré les 2 kills de retard, ils sont quand même even au gold. Mais bon, je pense que le G2, le late game est quand même à G2 parce qu'ils ont ce Zac, et Zac, bah, ça outscale tout simplement. Zac en teamfight, ça a une pression. C'est vrai que ça outscale, mais j'aurais tendance à dire que le Lulu Galio, en termes de pile pour un Twitch, peut complètement changer en fait, la phase des choses. Ça va dépendre des ultis de Perkz en fait. Si Perkz arrive à trouver un bon angle, oh, attention justement Perkz, on voit à l'écran et qui est en train de se faire un petit peu agresser, le Herald qui vient de lâcher sur la mid lane, ça va sûrement être une deuxième tour récupérée par les Samsung. C'est le problème, c'est que les G2 vont reculer et ils vont plus du tout avoir l'initiative, voilà. Deuxième tour récupérée par Samsung. Après l'écart goal est petit par rapport à l'écart tour. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que G2 est devant sur les lanes. Mais par contre ils sont derrière en termes d'objectifs. Alors on give up même ce Drake là. Côté G2, les Samsung qui font une très bonne opération là-dessus, qui récupèrent 3 objectifs en moins de 2 minutes. Ça va les mettre vachement bien, c'est un Drake d'eau, c'est pas non plus si important une fois que la phase de lane est passée, mais c'est toujours bon à prendre. Ah, mais dans une game qui peut être tardive, il y a toujours cette ancestrale. Et pour l'instant les G2 qui arrivent pas, en fait l'avantage des Samsung c'est qu'ils face à la compo de regroupement des G2. Bah, ils jouent juste de manière assez mobile sur la carte et ils prennent les moves avant. Les G2 qui retombent presque dans son côté un peu passif. Mais ça y est, on passe les 20 minutes de jeu et c'est le moment où G2 va commencer à pouvoir disputer au niveau du baron des fights qui seront avantageux pour eux. Ouais, c'est vrai qu'on a une capacité de catch quand même assez importante côté G2. La Ruler qui s'avance peut-être un peu trop, qui va se faire jump par Trick. Oh, il esquive, c'est très bien joué. Ruler qui va devoir flash out. Il a eu la confiance quand même d'esquiver ce E parce que s'il le prenait, il allait prendre le R par-dessus, il allait sans doute mourir. Plus de flash du coup sur Ruler, bonne opération de Trick là-dessus. Je sais même pas si c'est pas plus intéressant finalement pour les G2 que Ruler n'ait pas de flash. Parce que là, ils pourraient, je sais pas, non, ils peuvent peut-être, si avec la Guinzo, ils peuvent peut-être faire face baron hein, les G2. Hein. Ils ont un Ryze, ils ont un Kog'Maw, ils ont une capacité de faire le baron assez fast. On n'a pas de Drake de la montagne pour aider. Mais on a un tank, on a deux gros DPS, c'est vrai qu'on a un baron assez rapide hein, côté G2. Sur un timing de non-flash, tu vois, voilà, là sur un pick-up, si jamais ils arrivent à choper un joueur, le problème c'est que là il n'y a pas du tout de joueur qui s'avance du côté Samsung Galaxy. Il a back en plus, Ruler. Hein. Ouais. Il a back là-dessus. Pas d'overstay. Non, on va pas pouvoir saisir de cette opportunité côté G2, de ce manque de flash. On va continuer de clear la vision dans le top side. Et on va back. Zven qui a pas mal de gold, qui va, j'imagine, faire un Runan sur une double frontline, c'est vachement intéressant. Après, en late game, les G2 ont quand même trop de dégâts magiques et pas assez de dégâts physiques. Du coup, Zven, j'imagine qu'il va falloir qu'il s'étimise plutôt vers un Kog'Maw IE. En général, c'est ce qu'on aime faire quand on a pas mal de dégâts magiques. On esquive un peu le build on hit d'un Kog'Maw pour faire un Ginzo Runan IE. Même ouais, en fait tu doubles ton proc magique pour les pour forcer la résistance magique, mais après tu transites vers. Non, ça paraît légitime. Après j'en ai pas vu dans ces worlds. Kog'Maw IE qui reste enfin Kog'Maw crit hein, qui reste très fort, même si et surtout qui le crit profite du cyclone de Janna. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas des Onits. Après il faut pas oublier que la Ginzo offre pas mal d'AD une fois qu'elle est stack. En plus d'offrir de l'attack speed etc et de doubler les onits. Il faut pas oublier que c'est un item qui offre des stats absolument insane une fois que c'est stack. Et là ça force beaucoup top side. C'est probablement le meilleur item du jeu. Ah oui, une fois que c'est stack en termes de gold value c'est absurde. C'est absurde, la double onit de toute façon et voilà. Ça va être la grande force des G2, c'est qu'en fait les Samsung, même s'ils vont jusqu'au T3, c'est très dur de passer un Zac sur les T3. Surtout Zac Maokai, ils ont probablement un des meilleurs combos de teamfight possible sur League of Legends. Après, ce que je crains quand même pour les Samsung, c'est que leur capacité d'engage n'est pas si folle que ça. Ils en ont pas en fait, ils en ont pas du tout. Ah, ils en ont pas, le seul truc que je vois c'est un Ambition qui jump in ou peut-être un CuVee qui est gloire du juste in pour Crown Link l'ultimate. Et encore ça me semble vraiment très faible contre une Janna, donc je sais pas trop comment ils vont se débrouiller. Après faut pas oublier qu'on a un Ryze qui a... Ouh là là, attention, c'était pas super rentable ce trade. Non, non. Et Perkz qui va pas... Non, il va pas continuer. Attention, Trick qui se fait go in par ambition. Trick qui utilise son E, on n'a pas de backup, on va go sur Crown, mais il n'y a pas grand chose. Quoique, attention, on a le Zven. Oh non, le turn justement de Crown qui va aller sur la backlane. Mithy, justement, on parlait du disengage du support des G2. Ambition qui va essayer de prendre le kill, on va mettre une rédemption du côté des G2. Zven qui essaie de mettre des dégâts, mais il va tomber. Ce sont les Samsung qui pour l'instant prennent le meilleur. Perkz ne peut pas rentrer dans le fight. Les Samsung vont aller chercher les G2 sur cette phase de jeu. Le turn était bon, la téléportation du côté de Expect. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Expect qui va arriver, on a Trick qui est loin, mais Trick qui va se faire manger par CuVee là-dessus. Perkz qui va s'enfuir, et on va complètement abandonner ce Zac. Ah, oh, c'était bien joué de la part des Samsung là-dessus, de voir l'opportunité. Mais ils sont tellement forts les Coréens. Les Coréens arrivent à jouer des compos sans engage parce qu'ils ont une science du turn qui est absolument parfaite. Et le baron qui est lancé, est-ce que Perkz peut faire la différence? Perkz et Expect. Expect est quand même très haut en PV. On va rentrer, on va mettre l'ulti. Perkz qui va avoir un gros ambition. On est obligé de turn. Crown qui va essayer de s'interposer. Finalement il est rentrant dans le route. On va réussir à temporiser Ruler. On n'a pas les dégâts pour aller chercher Expect. En tout cas pas tout de suite. Perkz qui arrive dans la backlane. Ils sont low PV. Expect le flash out. L'arrivée de Mithy providentielle. Et on va s'en sortir sur Perkz. Les dégâts encore une fois. Oh là, il y a eu un lag, je sais pas si c'était le clean feed ou le jeu, mais il y a eu un lag là. Perkz du coup Perkz avec Expect qui arrive à cancel ce baron Nashor. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup on gagne du temps, on va peut-être pouvoir même récupérer ce push sur la mid lane. Et peut-être pouvoir prendre la tourelle, on a Kha'Zix qui peut défendre mais il est relativement low en point de vie. Ah c'est dommage, il est dessus, on force la téléportation quand même, il y a Crown qui va téléporter sur cette mid lane. Drake Océan dans 50 secondes. Ah là les G2 qui sont pas très bien. Après Trick avait pas ces items, là Trick a une Warmog, s'il arrive à faire un fight, disengage pour réengage après, ça peut être intéressant, il va pouvoir faire beaucoup plus de moves agressifs, de tenter des engages. Perkz appuie son flash, hein, il vient l'utiliser, donc ça c'est quand même décisif. Ah, il y a eu une pause. Là, je crois que c'est Perkz, non? Ouais, c'est Perkz, ouais. Parce que là il y a eu un problème, enfin, on l'a vu. Hein. Si, ouais, je pense que ça devait être ça. Je vois pas trop. Ça vient d'où? Ah, ça a l'air d'être côté G2, ça a l'air d'être Perkz. Ouais. C'est assez, comment dire? C'est assez serré comme partie, mais le fait que le Twitch passe à 3 items et qu'il ait son rappel mortel va poser des problèmes, je pense, aux joueurs G2. Absolument, absolument. Lag on stage, ouais, on est d'accord, on l'a vu, On l'a vu, donc je sais pas si... C'est vrai qu'il y a le chrono break, après le chrono break sur un timing nageur comme ça, c'est... Oui, non, je pense pas, parce que si jamais il y a juste un petit freeze, je pense pas, peut-être qu'il aurait pu tout... peut-être wipe un joueur, mais ça joue un kill, je pense pas, après faut voir ce que les arbitres vont dire. Ouais, je sais pas. Je pense que dans tous les cas, il y aura pas remake ou quoi que ce soit. On va revoir le move où il y a eu le lag. Non, c'est pas où il y a eu le lag. En général, le Riot aime pas trop montrer quand ça... Et là, Zven qui lâche le barrage, il lâche le barrage de Arcanic en fait. Et là, Ruler arrive en flanking. Zven peut pas trop rentrer, voilà, parce qu'il y a l'ulti, donc il est obligé de flash out. Zven, il va se mettre au maximum, mais le problème c'est que Ruler vient le chase. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas de frontline à ce moment-là. Maokai arrive bien trop tard. Et Maokai arrive très tard dans ce teamfight. Et Perkz, je pense qu'il voulait essayer de setup avec Maokai pour aller sur Ruler. Et là, l'ulti est tellement bien joué de la part de Perkz. Il s'enfuit. En plus, ce qu'on voit là-dessus, c'est que Perkz se TP vers la top lane pour clear la wave au cas où. Et au final, il deny complètement Ambition de venir sur ce baron Nashor. Et là, les ronces qui viennent juste lock le Galio. Un rouleur là-dessus, même s'il a pas de bot, il court très vite car il a une Lulu derrière. Heureusement, Mithy qui arrive pour sauver son top laner. Pendant que les arbitres sont en train de statuer sur l'état de cette partie. Faut-il tout refaire? Faut-il relancer les Worlds? Faut-il invalider la qualification de Fnatic hier? Toutes ces questions que se posent les arbitres. Tout ça pour un lag on stage. Crown, toujours aussi. Il a tellement le visage fermé ce joueur quand il joue. La rage de vaincre, c'est, je pense, la définition, ce qui caractérise le plus ce joueur. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Bon. On n'a pas de nouvelles de notre côté. On vous tiendra bien évidemment au courant. Merci d'être aussi nombreux sur le stream. Vous êtes nombreux tôt le matin. C'est vendredi, matin, ce soir c'est le week-end. Mais de toute façon, il n'y a pas de répit pour les fans de League of Legends. Exactement. Lorsque les Worlds sont en Asie, il faut se lever tôt pour vivre les matchs en direct. Très tôt même cette semaine. Ça commencera plus tard la semaine prochaine, je crois que ça commence à 9h les matchs donc de quart de finale. Donc ça 9h c'est plus agréable quand même. Ce sont des BO5. Pour tout le monde. Oui, c'est quand même plus agréable que de se réveiller en pleine nuit. Mais voilà, quand les matchs sont bons, on ne boude pas notre plaisir. Est-ce que tu penses vraiment que G2 a le late game? Parce que, encore une fois, hein, et avec cette compo qui fait que des dégâts on hit. Et qui fait que des dégâts on hit et que des dégâts magiques surtout aussi. Hein. J'ai peur que le Galio soit un peu immortel en fait. Ah, j'ai peur de ça aussi, mais je pense que Zven... il a vraiment intérêt à faire une BRK là. S'il fait une BRK, déjà ça va forcer Crown et CuVee à faire de l'armure, qui serait pas une stat perdue évidemment, mais beaucoup moins rentable que la MR qu'ils vont faire absolument pour contrer tous les dégâts de l'équipe. Mais ouais, là s'il fait BRK IE, je pense qu'il peut... en vrai, s'ils ont le dead game, ça va tout simplement dépendre du stuff de ce Kog'Maw. Ouais. S'il part sur trop de one-hit magique, ce sera vraiment naze. Faut absolument qu'il fasse pas un Witsen quoi. Ouais, non, Witsen c'est du trolling. Hein. Ah, parce qu'on en voit beaucoup, hein. Hier on en a vu. On a vu clairement. Les Witsen. Maillet gelé et tout, enfin, c'est l'enfer ça. Witsen maillet gelé c'est pas mal, mais faut que la compo soit équilibrée. Là c'est absolument pas équilibré, là c'est du 95% magique donc. Ouais. Faut à tout prix éviter le stuff comme ça, surtout que bon, Witsen sur des cibles qui ont beaucoup de dégâts magiques, c'est pas très intéressant parce que tu vas enlever en plus de ça quelque chose comme 32 MR. C'est pas non plus sur une cible qui en a 180, ça change rien. Pareil, évidemment les dégâts magiques qui sont ridicules du Witsend quand tu joues contre des personnages qui ont autant de résistance magique. Ouais. Donc ouais, pour moi BRK dégâts, et une fois que t'as stacké ça au max, c'est pas énorme. Tandis qu'on attend toujours la suite de cette partie haletante. On rappelle hein, les enjeux. Si G2 gagne contre les Samsung, ils n'auront plus qu'une victoire contre Fenerbahçe pour passer en quart de finale. Et on aura déjà fait 2 sur 3 au niveau des équipes européennes. Sachant que demain, on aura le dénouement des Misfits qui ont un groupe difficile avec les Flash Wolves, avec la Team WE et surtout avec Team SoloMid. Ah, mais les Misfits qui ont montré un très bon niveau la semaine dernière et qui sont actuellement d'ailleurs à 2-1. Ils sont à 2-1, ouais. Après, ce dont il faut se souvenir, c'est que les Immortals avaient montré un très bon niveau la semaine dernière et ils sont en vacances. Donc, ils sont rentrés chez eux. Voilà. Peut-être pas tout de suite, peut-être qu'ils regardent la game, mais oui, je pense. Ils ont réservé les tickets d'avion. Ils sont partis. Le fameux gang, vol Guangzhou Los Angeles. Un aller simple. Guangzhou, dans le sud-est de la Chine, ville que l'on appelle en France Canton. Je la fêtais en mode Tour de France. Visite de Canton. Très beau château. Ouais, le fameux château de Guangzhou qu'on connaît très bien, qui était construit par Louis XVI. On a des très bonnes connaissances historiques chez O-Gaming. C'est avant tout pour ça qu'on a été. C'est sur ces critères-là qu'on a été recrutés à l'époque. Combien au bac d'histoire 13, je crois. Oula, c'est pas mal. C'est plus que moi. Il se défend. Il connaît ses dates. Il connaît les bonnes dates. Les dates du 2PC, les GIR, etc. Est-ce que tu avais une carte? Une carte, tu sais, les cartes, oui, j'ai une carte à faire. J'ai colorié les bords en bleu. Oh, j'avais la carte du Brésil. T'imagines que t'es évalué sur ta capacité à rentrer dans la vie active en coloriant les mers en bleu, quoi. Quand tu réfléchis une seconde, tu réfléchis profondément au truc, tu te dis est-ce que ça a un sens, quoi, tu vois. Je colorie les mers en bleu, c'est un truc de coloriage, quoi. Et tu es meublé. Tu es évalué là-dessus. Exactement. Sur ton code couleur. Bon, pas de nouvelles toujours, hein. Là on part en blabla, oui, bien évidemment. Ah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Bah oui, on peut parler des compos en very very late game, mais bon, je crois qu'on l'a fait 250 fois. Donc s'il fait ni eux et une BRK, ils vont gagner. S'il fait pas ni eux et une BRK, ils vont perdre. Voilà. C'est ce que Chap a dit. Selon moi. Le mec est challenger, donc normalement on peut le croire. Parce que ton niveau en solo queue te permet, te donne l'autorité nécessaire et la reconnaissance populaire. J'ai déjà joué avec ces joueurs. T'as déjà joué avec l'intégralité? Est-ce que t'as joué avec tous les joueurs? Ah non, pas les mecs de gauche là. Non, les mecs de gauche, je crois que je les ai pas croisés, mais... C'est pas la même ligue que Challenger Europe, c'est encore une ligue au-dessus. C'est le niveau au-dessus de Challenger Europe, mais ouais, non, les G2, je crois que je suis tombé avec... À part Expect, qui fait très peu de solo queue, je crois que je les ai tous déjà croisés en solo queue. Et c'est qui le plus toxique? Mithy. Ah ouais, Mithy c'est un cauchemar. Non, mais il est hyper doux en vrai. Mais ah oui, mais il est sûrement très gentil, mais je connais plein de gens très gentils IRL qui sont infâmes dans le jeu. Bisous à toi, Idal. on t'envoie nos amitiés. Ah oui. Et Perkz, il est cool ou pas? Perkz, ça va, ouais. Perkz, enfin, il est un peu sur le passif-agressif, mais ouais, le cocky boy, tu vois. Mais ouais, sinon, ça va, il est pas infâme. Mithy, il est plutôt agressif, quoi. Mithy, il est plus sur l'agressif-agressif, quoi. Ouais. Avant, il était calme dans la vie et aggro sur la lane, et maintenant il est calme sur la lane et aggro dans la vie. Le mieux, je crois que c'est Trick. Ouais. Ouais, Trick ou Zven. Zven se plaint pas trop. Il aime bien lui mettre des XD aussi pour le passif agressif, mais par ça, ça va, quoi. Let's go Samsung. Forcément. Samsung vice-champion 2016 en difficulté quand même. C'est pas aussi marquant que l'an dernier quand même, la performance de Samsung pour l'instant. Autant l'an dernier, ils étaient assurés, même s'ils sont aussi tombés l'an dernier. J'ai l'impression que les groupes des Worlds, c'est une ritournelle, quoi. C'est le Edward Gaming. J'ai l'impression que Edward Gaming, AHQ et SKT sont plus ou moins obligés de se rencontrer dans l'ordre qu'ils veulent, et que RNG et Samsung, c'est un peu pareil. Après Samsung l'année dernière, ils étaient un peu bénis au niveau des arbres aussi, non? Je crois qu'ils ont joué AHQ, c'est ça? Ils ont joué. Non, parce qu'il n'y a pas de LMS qui sont passés en quart. Donc ils sont tombés contre le deuxième. Donc ça devait être le deuxième du groupe B. Non, mais je crois que ils sont tombés contre le gagnant d'Edge2K et contre Albus Nox. Oui, donc là, ça. Déjà, c'était un petit point cadeau, quoi. Ils étaient tombés contre Cloud9. Ah ouais, Cloud9, Edge2K. Ils avaient mis 3-0 à Cloud9, 3-0 à Edge2K, et ensuite ils ont fait 3-2 contre SKT. Ouais, donc ouais, c'était. C'était un peu cadeau, c'était une free finale, plus ou moins pour eux. Ouais. Après, c'est une free finale pour eux, quoi, hein, parce que. Oui, enfin, ils accèdent à la finale. Après, ils jouent contre SKT, mais avant, voilà, c'est facile pour des Coréens. C'est vrai que Clone and H2K. Oh, et on a un petit sujet sur Mithy. Merci la régie, vous êtes toujours adorable dans ces moments de pause. Donc, on envoie le sujet sur Mithy. Playing a tiebreaker against Samsung could be quite stressful because we would basically have to beat Samsung twice in a row, which sounds like a tough deed in itself. But I don't know, if we have to make it out of groups, we have to beat everyone anyway. So either we win or we lose, you know, that's life. Voilà, donc c'était Mithy qui s'exprimait sur le fait de faire un tie-breaker contre Samsung, il devrait les battre deux fois, mais en fait s'ils les battent cette fois-ci et qu'ils gagnent contre Fenerbahçe, étant donné qu'ils auront fait 3-0 et qu'ils auront gagné une game la semaine dernière, ils seraient à 4-2, mais il est possible que tout le monde finisse à 4-2 si je ne me trompe pas. Et donc, il est possible qu'il y ait quand même un tie-breaker, même en ayant gagné tous leurs matchs cette semaine. Par contre, si jamais Samsung perd contre G2 et contre les RNG, à ce moment-là, G2 serait directement qualifié. Ok, donc ouais, c'est... Même il n'y aurait pas un tie-breaker entre G2 et... Ah non, parce qu'ils auraient gagné 3 et 2, 5. En fait, le scénar de fou, c'est si jamais... les Fenerbahçe battent les RNG et que RNG bat Samsung, à ce moment-là, il y aura un tie-breaker pour avoir le first seed et G2 pourrait sortir first seed. Ah si on sort first, si G2 sort first seed, il y a... Je crois que c'est ça. Ça peut aller loin hein, parce que honnêtement, les second seeds sont assez prenables. Pour juste qu'il n'y ait pas un G2 Fnatic, ça serait décevant, mais ah, ce serait terrible qu'on ait G2 Fnatic. Non, en vrai, le vrai storyline, celui que tout le monde veut, c'est Fnatic qui tombe contre TSM qui finit premier du groupe. On veut Misfits qui sort ce deuxième du groupe et bon, Misfits ils se font manger de toute façon, tant pis, il faut bien qu'ils arrivent à se manger. C'est un sacrifice. Et je verrais bien moi un G2 contre genre un G2 Longzhou, ça me ferait archi kiffer. Ouais. Bah après demi-finale, ça commence à être difficile. Juste envie qu'il n'y ait pas un Longzhou SKT en demi-finale. Qu'on garde ça au moins pour la finale quoi. Longzhou ouais, oui, non, moi j'aime bien en fait le côté des deux équipes coréennes de fou se rencontrent en demi, comme ça on a une finale un peu originale, tu vois, un TSM, après ouais, mais si c'est une finale 3-0, bon. Ouais, mais moi je préfère une finale 3-0 où il y a une équipe non coréenne, plutôt qu'une finale coréano-coréenne. De toute façon, c'est pas grave, la demi-finale c'est la finale, c'est comme Rox SKT la saison dernière. Ah ouais, Rox SKT c'était incroyable, le BO de l'année dernière était ouf. Ouais, mais les deux BO, hein, la demi et la finale étaient absolument incroyables, donc... Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Pourquoi j'ai mis le chat en sang en parlant de TSM en finale. Ouais, c'est vrai que déjà il faut sortir des groupes pour arriver en finale. Et oui, compliqué. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont un petit peu de mal à faire. On verra si Svenskeren arrive à être un peu plus présent lors de la seconde semaine. Faudrait pas qu'ils se trompent de jour. Là oui, clairement c'est... Parce que Svenskeren, tu penses pas toi en tant que jungler. Toi qui as... T'as pas joué contre Svenskeren parce que t'étais pas né à cette époque-là quand il était encore en Europe. Si, j'étais né mais j'étais pas encore à l'élo suffisant pour jouer contre lui. Et du coup tu penses quoi de la perte de Svenskeren sur la première semaine? Bah ouais, bon, il a pas été incroyable. Je me souviens particulièrement de la game contre Misfit où Max Lore a été... Il était super bon Max Lore. Max Lore il était impressionnant. La game contre TSM il était vraiment impressionnant. De toute façon dans cette game je pense que Max Lore et Hans... Ils ont été à un niveau, ils ont joué out of their mind. Clairement, mais Max Lore, c'est incroyable la progression du joueur, hein, parce qu'il a commencé la saison, c'était un OTP Rengar Kha'Zix qui savait juste faire des gangs sur la mid lane, et maintenant il arrive à tenir Svenskeren et à jouer au Worlds. Et c'est un type qui pense énormément au jeu, hein. C'est incroyable comme il se... C'est quand même amazing, ça fait partie de ces joueurs. On est venu vous donner un coup de main. Vous êtes venu meubler, c'est super. Donc salut. Salut. Coucou. Après, pour rebondir sur Zven d'ailleurs, l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, il avait fait une très très bonne première semaine. Et au contraire, il a complètement choc la deuxième. Du coup, peut-être c'est l'inverse. Non, exactement, ça va être l'inverse. Bah, vous vous souvenez des années précédentes aussi où il a pas fait les phases de groupe. Ouais, oui. Il y a eu un sub-in de Gilius. Taipei Ching Chong. C'est le mec qui débarque. Mais c'est vrai. En 2014, c'est ça. Avec SK Gaming. Ouais, c'était en Corée. SK Gaming où il a pété toutes les chances de SK avec Flip 122 et tout. Mais le pire, c'est qu'à cette époque-là, c'était probablement un des meilleurs listings du monde et tout. Il était monstrueux. Ah oui. Et toi, t'arrives directement, tu parles des trucs qui fâchent. Toi, t'es le mec qui sourit, mais qui apporte les trucs qui fâchent directement. Bah écoute, c'est l'historique. L'historique est lourd. C'est pas de ma faute non plus. Moi, j'ai pas balancé de tweet, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que. Non, mais après, en réalité, c'est. Oh, la game reprend, la game reprend. Oh, incroyable. Merci. Honnêtement, des très belles analyses quand même de la part de nos deux consultants Twix et Nono. Et on repart dans cette game. Si la régie peut nous envoyer du sound pendant que les G2 sont en train de récupérer. Excellent. La vision dans la rivière, alors on se remet un petit peu, on essaie de se remémorer où est-ce qu'on en était. Il y a eu un flash de Perkz, et Perkz a ses flashs. Perkz a son flash. Perkz a son flash. Je crois qu'ils ont reset tous les summoner spells. Ah oui. Parce que tout le monde a tous les summoner spells. Exact. Ok, c'est peut-être plus handicapant pour les G2 que pour les Samsung. Ouais, parce que avec un Zac, évidemment, une cible qui n'a pas d'escape, c'est quand même assez gratuit. Faut voir, et là, ouais, Ruler qui a complètement, directement complété son, son rappel mortel. Un truc, c'est que s'ils ont gardé les positions mais pas les sommes, forcément sur la téléportation, ça change beaucoup de choses. Ah oui, oui, complètement. Du coup, Perkz qui est obligé de décaler pour, sur le bot side parce que CuVee est en train de split. Bon, on se remet dans une game qui n'est pas la continuité de celle qu'on a laissée, mais on s'y remet. Attends, il y a peut-être un bug d'interface qui montre tous les summoners. Aucune idée. Alors là, pour le coup, on va vivre avec. De toute façon, une fois qu'ils l'auront utilisé une fois, je pense que ça, ça va se refresh. Ouais, ouais. Pendant qu'on build quand même pas mal de résistance magique sur Crown. On peut dire qu'il build de la résistance magique, Crown. Ok, Zven qui fait plaisir et qui a compris qu'il fallait faire une BRK. Ouais, là c'est obligatoire. C'est le bon point, déjà. Et les Samsung qui continuent leur gold rush. Attention quand même à l'écart gold, hein, parce qu'on a 0 tour hein, chez G2. Hein. On a 0 tour, on peut peut-être pressure cette tour mid. Et non, on n'a pas l'info, on n'a pas assez d'infos dans la river pour s'avancer aussi loin. Perkz qui est dans le bot side, le truc c'est qu'il n'y a rien à faire dans le bot side. Attention, Ambition qui va peut-être se faire catch ou Trick qui s'est retrouvé de l'autre côté. Ouais, c'est pas si c'est la meilleure chose. Ah, il utilise son let's bounce, du coup, le jungler des G2. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Il a cliqué, il voulait absolument proc son truc, il a cliqué, peu importe les conséquences. Bah, du coup, plus de R sur Trick. Après, il a un petit peu de CDA avec sa Warmog, ça reviendra. Mais bon, c'est quand même. Ça peut être handicapant si on a un fight assez rapidement. Et là, je trouve que les G2 sont dans une position un petit peu. Ambivalent parce qu'en fait ils ont une compo fight, mais en fait ils attendent juste de fight. Là ils sont en train de faire une Unicorns of Love, c'est à dire qu'en fait ils font rien et ils attendent, ils disent on va gagner les fights parce qu'on a un Zac. Mais en attendant, en fait, bah, Samsung ils ont déjà pris 3 Drake, c'est ça? 3 Drake, ouais, c'est leur 3 Drake, ils prennent 3 tours, ils prennent 3K gold. Ça commence à faire beaucoup, Chap. Ouais, c'est là, va falloir faire des trucs bientôt pour les G2. Après, encore une fois, très late game, Kog'Maw peut un V9, hein, il peut détruire la game s'il a suffisamment d'items. Bah, il a suffisamment de frontline. Tu fais BRK, avec lui. Moi, tu fais IE. Moi je pense que le stuff à faire c'est un BRK IE là. Ouais. BRK IE et un autre item critique peut-être. Sur une soif de sang et là personne n'est prêt. Soif de sang. Non, c'est nul. Non, je pense pas en vrai. Non, non, non. Soif de sang ça m'étonnerait, mais. Non, BRK IE. Peut-être la rampen aussi, hein. Faut voir le stuff qu'ils vont faire. Qui va flash out instantanément de cette rupture. C'est dommage de devoir flash sur une rupture. C'est pas grave, c'est une Janna Ambition qui arrive sur le flanc. Et finalement, regarde, ils n'ont pas d'engage, mais ils siègent. Ils arrivent à siège les Samsung, les dégâts sur Trick, l'arrivée d'Ambition en flanking, Perkz qui était présent pour défendre. Sur le bot C de la carte, on a Expect qui est en train de wave clear, le push aussi qui arrive au niveau de la top lane, CuVee qui vient, CuVee pareil lui aussi, il est très tanky avec sa gloire de juste et son visage spirituel et surtout ses stacks. Il a pris cher quand même, en quelques auto-attaques du Kog'Maw avec sa Ginzo stackée, ça descend assez rapidement. Et encore, il n'a pas encore la BRK. Oh, Zven qui se fait go in, Zven qui prend beaucoup de dégâts et Zven. Ouais, c'est terrible, parce que là, ils sont en train de. En fait, les G2 ils doivent engage, il n'y a pas d'engage du côté des Samsung et les Samsung ils ont des free dégâts là sur les tours, sur les objectifs. La rédemption qui est lancée, il va falloir engage justement. L'arrivée du Maokai, il va se faire polymorphe, c'est quand même 2 mutes. Et pendant ce temps, Trick qui est obligé de se commit pour rien. Perkz qui se fait aggro par Ambition. Perkz qui va essayer de se repositionner grâce à son ultimate. C'est bon, il est sorti, mais Crown arrive dans la backlane. Crown qui arrive dans la backlane. Est-ce qu'il va y avoir un taunt? C'est pile par Expect. Perkz qui met les dégâts, le flash out de la mid lane du côté des Samsung. Et on va rester à égalité. Mais encore une fois, ça part d'une. C'est pas normal que les Samsung puissent faire ça. C'était pas mal du tout quand même là ce que nous ont fait les. Attention, Ambition qui a peut-être se faire catch là-dessus, c'est dommage. Et Expect qui a flash in pour rien sur le timing jump d'Ambition et ça va partir sur un baronnage. On a la téléportation. Perkz il a plus de PV, Perkz il a plus de PV, c'est hyper dangereux ce qu'ils sont en train de faire. La téléportation qui est lancée sur Crown qui va se faire aggro, mais derrière il n'y a pas de dégâts physiques pour l'instant. On n'a pas de fini la BRK à l'arrivée de CuVee dans la backlane. La rupture qui ne passera pas et Perkz qui met des dégâts, Perkz qui met des dégâts, il arrive à zoner. Ce teamfight est long, il est très très long. C'est très long, mais c'est dommage, ça manque d'un item physique sur le Kog'Maw là-dessus pour shred les dégâts, pour shred les HP de Crown. Une fois qu'il l'aura, ça va complètement changer parce que la Crown, il a que de la résistance magique. Ouais, et le problème, c'est que la transition magique physique, quand on a autant commis sur la magie, elle est longue. Ouais, ouais. Elle est assez longue. Peut-être la Kinzo qui est pas ouf en premier item dans cette situation là. Bah, le truc c'est que t'es censé vraiment proc sur le. Oh, Sven qui se fait burst, le kill de Crown. On est derrière cette Trick en ligne de mire pour les Samsung. On va bounce, on va le ramener sous la tour. Ambition, le burst sur Ambition. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller prendre le kill? Trick qui essaye d'aller chercher, mais c'est pile encore une fois. Expect était en flanking, mais il ne pourra rien faire. Et c'est un kill de plus, toujours 4 k 4 d'avance. Oh, Ruler sur Trick qui va essayer de bump sur Ruler, il pourra rien faire. Le jungler des G2, Ruler qui va commit par contre sur son ulti. Et regarde ce relais de vision, 3 wards de contrôle dans la jungle des G2, ils ne sont plus chez eux. Et là ça va partir sur un baron Nashor, impossible de le contester je pense pour les G2. On a seulement, ah quoique on a Expect, on a Trick qui utilise sa Warmog. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Perkz est en train d'arriver. Il y a Mithy, il y a l'ulti de Ryze. Ça tempo, c'est quand même dangereux. Du côté des Samsung, le smite, ça se joue à un PV. C'est en faveur des Samsung. Trick qui va essayer d'aller au milieu de la mêlée, qui va malheureusement tomber. Le break est fait pour les Samsung. Les G2 n'ont pas commencé à jouer dans cette partie, qu'ils ont déjà 6 cagoles de retard. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué là le Zac qui n'arrive pas à trouver son utilité. En fait, on a trop de points de vie, on n'a pas assez de dégâts pour les G2 actuellement dans les games pour tuer sur une engage de Zac. Et du coup, Ambition qui a toujours beaucoup plus d'utilité là, parce qu'on a vu hein, le one-shot sur Zven qui est complètement clutch et qui permet de débloquer le Nashor. Va falloir faire le dos rond encore une fois pour les G2, temporiser la BRK de Zven. C'est bon, elle est là. Le problème, c'est que maintenant, il y a la pression des sbires. Il y a la pression des sbires, on voit Zven, on va revoir. Ça joue à combien? 70. 72. 72, oh là, c'était tendu quand même. Hein. C'est-à-dire que là, même le proc du talisman ouais. pourrait style le Nashor. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu, mais les Samsung qui le récupèrent. Ouais, le move des Samsung est imparfait, hein, mais il marche. Ouais. Il marche parce qu'ils sont coréens. C'est juste ça. Ils ont la chance avec eux. C'est l'étoile coréenne, celle qui brille plus haut que toutes les autres. Et maintenant, bah voilà, le split, hein, CuVee qui va mettre la pression, Expect qui a que des dégâts magiques, donc voilà. Il en a rien à faire de son adversaire et grave, ils vont snowball sur les tours. Le problème, c'est que la rangée de T2 et le fait que les G2 n'aient pas pris une tour de la game fait que c'est quasiment impossible de comeback en fait. Et là c'est dur parce que les Samsung commencent à stacker de l'armure. Ambition qui a de l'armure, CuVee qui a de l'armure, Crown qui a de l'armure et Zven qui a juste son item dégâts physiques. Je pense qu'honnêtement il aurait peut-être dû faire la BRK premier item. S'il avait peut-être fait la BRK premier item, aurait peut-être eu moyen de prendre les fights en early. Attention, Ambition qui prend très cher. Ouais, Perkz par contre fait hyper mal. Hein. Ah ouais, Perkz, il a le Séraphin, il a le Void Staff. On a pris toujours aucune tourelle. Hein, ouais, mais là c'est une faute professionnelle un peu de prendre 0 tour à 37 minutes de jeu. Bah, en fait c'est qu'il y avait vraiment une négative pression dans la jungle. Bah du coup, quand ton jungle se fait enfoncer comme ça, tu peux pas vraiment te permettre, tu joues pour lui en fait, tu joues pas et pour voilà, l'agression sur Sven, on est obligé de mettre le shield, Ruler qui va essayer de se faire pile par Trick, la rédemption qui est lancée, le Solari à son tour, là, on a lâché tous les cooldowns sur un ulti de Twitch, et pendant 5 rounds, c'est lui qui prend la tour, l'arrivée de Trick, un puis 2, c'est réussi du côté de Trick, mais ça ne sera pas suffisant. Et ils ont la tête qui tourne les joueurs de G2 parce que c'est déjà au niveau du top side. Ruler qui est parti avec Ambition et on va se jeter sur Expect. Expect qui va essayer de mettre l'engage. Mithy, l'arrivée de Sven et c'est pas mal par contre cette engage de Trick avec Ryze qui va rentrer dans la backline. C'est un petit peu le champ du site du côté des G2. Les ronces qui passent du côté de Expect. C'était au moment de Sven, c'est son moment. Le barrage burkanique est lancé sur CuVee. Sven qui met les dégâts, justement le proc de la Ginzu qui est en train de parler sur les joueurs de Samsung qui vont pouvoir faire le disengage finalement. Ah c'est dur, on n'arrive pas à tomber ce Shogat et on va perdre l'inhibiteur de la au moins la tourelle inhibiteur de la botlane. Ça manque colossalement de dégâts hein. Côté G2, la frontline Samsung qui est beaucoup trop tanky et sa TP en plus de ça. On va récupérer cette tourelle. Attention, Trick qui prend quand même pas mal de dégâts, il a pas beaucoup d'armure et c'est bon, on va récupérer la tourelle pour les Samsung. Ouais, les G2 qui n'y arrivent pas. Dépassés par la compo ultra pile des Samsung, les G2 qui sont tout simplement surclassés, qui ont été d'une passivité peut-être un peu trop grande, on le voit. Cette défense de Trick aura été belle mais vaine, parce que finalement il n'aura vraiment jamais pesé dans le débat. Je pense que le pic de Galio est à proscrire en fait quand tu veux faire ce genre de compo. Parce que Galio en fait intervient sur toutes les engages que Trick voudrait faire sur le reste de la carte. Ouais, Galio même, je sais pas, dans une méta Arden, c'est assez dur d'engager quelqu'un. Attention, Ruler qui utilise son ultimate, qui va récupérer cette tourelle. Trick qui va essayer d'aller chercher. Mais pour l'instant, c'est CuVee et l'ulti de Crown pour défendre. Les G2 n'ont pas les dégâts encore une fois. C'est très très dur. Là, les G2 qui, tu l'as dit, n'ont pas les dégâts. Ils ne peuvent rien faire. Les Samsung qui prennent un objectif et reculent. Et les G2 qui sont obligés de concéder. Et Sven qui va récupérer ce phare botlane. Faut voir l'item sur lequel il va partir. Et je pense qu'il va partir sur un Nexus PT surtout. Ouais, je pense qu'il va partir sur un Nexus PT là parce que il y a déjà beaucoup trop d'armure. Hein, il y a 3 dragons des océans en plus. Ah, les Samsung ils ont une Warmog de poche chacun. Ça. Donc là, t'imagines le show en dehors des fights à quelle vitesse il régène. Et le pire c'est que ça régène le mana en plus, donc on peut se permettre de pas du tout être économe au niveau de son mana et Sven qui part sur une IA ou Innocence River, mais je pense que à ce niveau-là, c'est plutôt une IE qui doit être faite. Il y a plus de chances que ce soit l'IE. Le problème, c'est que à ce moment-là de la partie, on est quand même bien tanky. Il y a les deux lithoplastrons, il y a l'ange gardien en plus qui a été récupéré par, par Ambition. Donc finalement, il y a Ruler, mais Ruler, il est tellement bien pile. En fait, l'écart goal maintenant parle plus que les pics, les thémisations, ah oui, que ce soit. Il y a un item d'écart entre les ADC, c'est trop quoi, c'est beaucoup trop. Et les G2 devraient s'incliner dans cette partie. Ah, c'est complexe là, quand tu vois la frontline des Samsung, t'as beau avoir un Kog'Maw, ça tombe clairement pas assez vite. Et on va essayer de défendre, hein, là, les G2 qui vont devoir défendre coûte que coûte cet inhibiteur. Faut juste pas laisser les 3 inhibs. Certes, ça fait beaucoup de farm, mais bon. Engage de Trick sur Ambition, ça ne passe pas. Zven, oh il a avancé Zven, attention parce qu'à chaque fois Ruler arrive à trouver un angle d'attaque avec son spray and pray. Perkz qui essaie de zoner, oui c'est bien, il chatouille Crown. Problème de Ryze, hein. Encore une fois Ryze, le win rate est catastrophique, hein. Il aurait pris une Syndra, n'importe quoi, un tout petit burst, et voilà l'agression sur Perkz, on a lâché le Solari en défense du côté des G2. Sven pour l'instant est bien positionné, mais la rupture qui va envoyer deux joueurs des G2 dans les airs, c'est compliqué, le passif est lâché, on va tout lâcher du côté de Expect, et pendant ce temps on a Sven qui essaie de spray, mais ça ne passe pas parce que les dégâts des Samsung sont beaucoup trop grands, les dégâts des Samsung à moins que Sven puisse faire les dégâts, mais regarde il est impuissant, le carry à des G2, Perkz aussi, la range est peut-être trop faible du côté de ce Ryze, Sven qui rentre maintenant, Sven peut-être pour un kill sur Crown, Kant qui va réussir à s'en sortir. Oh la Perkz qui a fait qui a mis un énorme EQ spell sur toute la team des Samsung. Malheureusement ça ne va pas suffire, on a beaucoup trop de résistance magique, mais on a réussi à quand même à récupérer le kill sur Ruler. Mais bon, c'est un kill sur Ruler, ils ne vont pas pouvoir transitionner en quoi que ce soit ce kill sur l'ADC des Samsung. On va pouvoir clear un maximum. Et Ambition qui est en train de regen avec Cédric Océan. Nashor dans 17 secondes, Elder avec 4 dragons. 5 du coup avec l'Elder, ça va être ça va pas être facile quoi. De toute façon cette game, 11 cagoles d'écart. Là, je dirais que la seule condition de victoire des G2, c'est un fight parfait. Derrière ils prennent un baron et ils prennent 6 tours quoi. Bah ils prennent 6 tours et ils arrivent au full stuff. Et en full stuff versus full stuff, le fight a du sens. Bah le truc c'est que, je sais pas si t'as regardé ce fight sur Steam Fight. Mais il a pas fight. Bah si, il a littéralement placé le maximum de DPS qu'il le pouvait. Et bah Crown s'en est allé. Crown et CuVee, il a full DPS sur Crown et Crown bah... Le problème, dans ces cas-là, généralement le souci vient plus du mid laner que de l'ADC. Après... Parce que Ryze il correspond pas non plus, c'est pas du tout un tank killer quoi. C'est clairement pas un tank killer, mais bon dans tous les cas... Je pense que tu mets n'importe quel mid laner contre... Bah avec un Liandry... Bah le truc c'est que Liandry contre casque adaptatif, ça réduit grandement les dégâts. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Mais là ils sont peut-être trop faits simplement les Samsung. Hein. À part une Orianna qui met une bonne shockwave sur la backline, je vois pas comment tu fais quoi que ce soit en teamfight. Ils vont même pas attendre l'Elder. Corki pourquoi pas ouais. Corki a probablement la meilleure réponse, ce qui peut crit en magique. Pourquoi pas. Mais bon c'est vrai que le casque adaptatif plus... Abyssal plus Lithoplastron. Et là c'est compliqué, les G2 qui se sont mis dans le mal avec leur draft. Hein. Ce Zac qui... Et surtout qu'il y avait vraiment des solutions plus aggro. Hein. Moi j'aurais préféré la Elise au pire. Parce que Elise Ryze, avec des déplacements intelligents, aurait peut-être pu mettre la pression. Mais c'était très passif en fait. Bah en vrai il y a énormément de trucs qui auraient pu être bien là. Hein. Mais j'arrive pas trop à comprendre vraiment l'utilisation de Ryze à outre mesure. On voit la backline justement, ça va peut-être être le dernier engage de cette partie. Trick qui arrive dans la backline, accompagné de Expect, CoreJJ pour l'instant qui pile, Sven qui se met à porter, mais les dégâts justement de Ruler sont trop importants et Trick tombe. Les Samsung qui vont aller chercher les G2, Sven qui lance absolument tout ce qu'il peut en hit and run, c'est bien ce qu'il fait Sven, il a évité la rupture pendant ce temps. Perkz qui essaie de se retourner pendant qu'Expect pile au maximum, mais les dégâts du feu nourri des joueurs de Samsung et sont peut-être trop grands. Crown qui est obligé de reculer, mais il vivra encore une fois pas assez de dégâts du côté des G2. Ah, c'est bien joué là-dessus. Ruler qui a temporisé un maximum avant de mettre son ultimate, juste pour que Sven perde le barrage bio-arcanique. Et on va prendre l'inhibiteur là-dessus pour les Samsung. La base qui est sous le feu d'Ambition et d'une bonne armée de CS. Ouais, il y a trop de dégâts, du côté des Samsung, il y a trop de spear, il n'y a plus assez de wave clear, il y a Sven qui essaie de proc, il est en Ginzu chargé dans l'œil du cyclone et les dégâts sont insuffisants. Attention, sur Ruler, attention Perkz qui arrive, on va tout essayer du côté des G2, mais regarde cette marée violette qui vient s'écraser contre les T4, Tron immortel, CuVee immortel à son tour, Ruler bien trop pile par ces deux derniers. et les G2 qui sont en train d'être assis aux premières places d'un théâtre, celui de leur défaite face à la Corée, match aller-retour, sont eh bien, des échecs. Et ça tempo, attends, est-ce qu'il y a peut-être moyen de temporiser cette tourelle du Nexus? Trick qui veut chercher l'engage, attention c'est sur CuVee, mais on a Ruler qui va essayer de finir la game, Zven qui va le go dessus, est-ce qu'il y a peut-être moyen de le tomber? Zven qui court très très vite. Ouais, Ruler sur Ruler, oh, ça va pas toucher l'ulti drive de Perkz justement pour aller chercher Ruler, le flash out du carry. T'imagines qu'il a encore son flash à ce moment là du fight. Et Ambition qui se fait catch, attention Ambition qui va probablement tomber, je pense pas qu'il puisse s'en sortir, non, il peut pas s'en sortir. Et là Sven, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, hein. Les G2 qui vont avoir un income de gomme absolument, absolument insane. Il faut juste défendre ce Drake, s'ils arrivent à défendre ce Drake, ils ont 50 secondes pour défendre le Drake, pour le prendre, juste le deny, c'est parfait. Tu penses vraiment qu'ils peuvent revenir? Je pense. Tu penses vraiment qu'ils peuvent revenir? J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. T'as la croix-avance? J'ai la croix-avance. T'as la croix-avance. Bon, si Chap a la croix-avance, on peut tous avoir la croix-avance. J'ai envie d'y croire, mais c'est pas facile, mais j'ai quand même envie d'y croire. Là, faut défendre la mid lane. Non, ça va être concédé. Voilà, si le concède, c'est la catastrophe, hein, parce que. Bah, il y a que le smite. Hein. Mieux vaut perdre le jungler à ce moment-là, il smite. Hein. Il y a surtout le CuVee. Il y a surtout le petit Shogat qui va être un smite à 1500. Ouais. Oh, oui, oh, il ramène tout le monde, il va y avoir un bus. De toute façon, si jamais tu fais ça contre les Coréens, ils busent contre toi. Il y a Crown qui ferme la porte. Il y a Crown qui ferme la porte sur Sven, qui va mettre son limon. Et ils sont partis, Sven ça va pouvoir charger. Et voilà, le bus lancé du côté. Il faut se dépêcher là. Attention, ça va se jouer à rien, ça va se jouer à 1000 PV. Twix qui va peut-être prendre le mute et c'est récupéré. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, c'est chaud là, parce que je crois que même Ambition l'a eu sur son timing respawn. Là c'est n'importe quel tic de dégâts, c'est 200 et quelques de dégâts purs supplémentaires. Bon. Eh ben, on va regarder le tombeau des G2 tranquillement. Et maintenant les joueurs européens qui vont devoir se projeter vers leur game. Attention, Perkz met quand même de bons dégâts sur Ruler, Perkz prend. Sven qui est chargé, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Trick qui rate l'arrivée de Crown, justement sur Trick, qui va lâcher son passif, les ronces qui viennent frapper, Sven qui a lâché son flash, Ambition qui vient encore une fois sur Sven, les dégâts sont colossaux de la part de l'ADC Ruler, sur Sven, Ruler, l'ulti, le spray et spray, colossal des Samsung qui vient terminer cette game, il n'y avait définitivement pas assez de dégâts. Kog'Maw était-il le meilleur choix? Est-ce que Zac était le meilleur choix dans la jungle? Est-ce que la draft? Pourquoi League of Legends, Chap? Tellement de questions qui viennent comme ça quand on voit les G2 perdre. Ah, ce Zac, j'aime pas. J'aime pas le Zac. Le Zac, j'aime pas. Le Kog'Maw dans une compo autant magique, j'aime vraiment pas. C'est vraiment dur d'avoir de l'impact en fait avec le personnage. Un J Smith, ça aurait été une solution. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. En tout cas, trouver une réponse. C'est vrai que Lucien était ban, c'est ça? Lucien était ban. Ouais. Ah, le Jace Mid. Et les Coréens de Samsung qui, après avoir battu 1907 Fenerbahçe Esport Club, puis les G2 Esport qui se positionnent dans une... ils sont à 4-1, c'est ça? 4-1, ouais. Donc là, en fait, la seule manière que G2 gagne, c'est que G2 gagne et que RNG perde. C'est ça? Contre Samsung, non? Parce que comme ça, il sera à 4-1. RNG? Ouais, faut qu'RNG perde. Fenerbahçe aussi du coup. Ah, donc là les G2 sont quasiment éliminés en fait à l'issue de cette game. C'est compliqué. Et ben voilà, on va parler du pick Zac. Enfin nous n'allons pas parler du pick Zac. Les analystes vont parler du pick Zac. C'est parti. Ouais. Laure, écoute, à vous. Merci Zac. Ouais, on va carrément parler du pick Zac et de Trick. Surtout Twix. Alors, si on peut mettre la caméra sur Twix, ça serait parfait puisque je pense que sa réaction est totalement appropriée. Voilà, c'était ultra naze. C'était naze. Pourquoi? Déjà, moi, je vois un Zac contre un Kha'Zix. Forcément, ça fait tilt. Ben en fait, on voit surtout un Zac dans une compo qui a besoin en fait que les adversaires viennent s'empaler un petit peu sur le Kog'Maw et cette volonté d'engage sur une composition. Qu'est-ce qu'on va ramener avec ce Zac à part des tanks sur un Kog'Maw? Pas grand-chose. Il peut pas vraiment être clutch. Ça engage de manière très inefficace parce que il n'y avait pas vraiment de counter lié au Zac, hein. Les seuls counters du slingshot qu'on ait vu, c'est des croissances prodigieuses, des trucs comme ça. Mais non, juste les joueurs Samsung en fait qui courent dès qu'ils voient un nuage un petit peu, enfin la petite ombrelle de Zac. Et ça ne marche jamais. Et les seules choses qu'on a pu voir de Trick, c'est saute dedans, ça touche pas vraiment grand chose. Il essaye de mettre un let's bounce, de mettre un ulti au sol. Tout le monde s'écarte. Ça touche pas non plus. Ouais. Et après, il revient tout seul. Et puis, qu'est-ce qu'un Zac une fois que son ulti n'est pas passé? bah, il essaye de mettre un stun en isolé et après bah, tu essayes de faire voilà, tes petits 2% de max HP avec ton Z et tu fais rien du tout. Et Trick, quand il a un pic comme ça, c'est absolument terrifiant à quel point il ne sert pas à grand chose. Quoi. Et en dehors de ça, même mécaniquement, je trouve qu'il est passé à côté de son match sur plein de trucs, même sur le contrôle de la vision, sur Smite. C'était Smite, ouais. C'était assez compliqué effectivement pour le Zac, bah, en termes d'engage comme l'a dit Twix, mais aussi on a vu en early game finalement il a été très très bien contrôlé par Ambition. On se rappelle évidemment de cette petite danse au niveau du gromp qui a duré très très longtemps, exactement. Et finalement bah, ça a fait les affaires finalement des Samsung parce qu'ils font pas énormément de temps à Zac et on sait très bien que Zac en early game quand même, ils peuvent vraiment faire la différence avec ses engages. Il n'a pas réussi à les trouver, donc c'est vrai que c'était compliqué déjà. Malgré ça, il y avait quand même un bon départ de la part de G2, avec Perkz qui arrive pour taquiner Ambition sur ses corbins, ce qui lui donne un petit désavantage. Ambition va dans la jungle justement pour essayer de récupérer l'ascendant, mais Perkz a fait un bon match globalement, mais G2, je les ai vraiment trouvés en dessous de ce qu'on... Après, c'est là où on voit finalement un peu la limite de Ryze. C'est, on en voit, enfin, dans tous les cas, sur Ryze, tu peux pas vraiment build de Liandry, donc ça peut pas vraiment t'aider face au tank. On voyait quand même qu'effectivement, malgré leur league game qui était juste canon hein, de la part de Perkz, il a fait des super moves. Il a récupéré dont le first blood, d'ailleurs, tu l'as dit, face à Kha'Zix. Donc normalement, tout semblait bon pour le midlaner, mais on a vu en fait qu'il se cassait les dents face au tank. C'était très très compliqué de sa part pour arriver à trouver du DPS, et on voit évidemment le seul champion qui a pu trouver du DPS du côté des G2, bah c'est normal, c'est Kog'Maw puisqu'il est excellent contre les tanks. Et encore que sa BRK est arrivée assez tard finalement à 30 minutes de jeu, ça a pris quand même un certain temps. On voyait justement Ruler en face qui lui était armé jusqu'aux dents pratiquement avec son Twitch, couplé en plus avec une lune en ce soir ardent, bah ça fait complètement le travail. Donc c'est vrai que Ryze, moi je suis un peu sceptique, c'est très fort. Ouais. Mais contre les tanks, j'ai l'impression que ça délimite quoi. Là, je m'interroge aussi sur le Kog'Maw, puisqu'on a vu justement, enfin, c'est fort contre les tanks, mais quand t'as un Shogat à 6000 PV devant toi, un Galio pareil, il y avait une force d'engage qui était double en fait de la part des Samsung. C'était très très compliqué pour Zven d'arriver à trouver une bonne source de DPS. Bah, d'arriver à trouver une bonne source de DPS, oui. Alors le meilleur scénario qu'il a pu avoir Zven, c'est donc dans cette fin de partie, cette fameuse défense de Fort Alamo, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait sa Ginzo était en permastack, c'est-à-dire que peu importe les trades qu'il prenait, c'était trade à 100% d'efficacité, et c'est vrai que là il faisait relativement mal, et c'est vrai, bon, j'ai un peu cru que ça allait tenir, mais dans la globalité de la game, ce genre de scénario là sont pas du tout arrivés précédemment, là où c'était vraiment important. Donc du coup, aucun moyen d'avoir un levier comme ça sur des barons Nashor ou des choses comme ça. Et c'est vrai que son positionnement très difficile quand on se fait run down par deux tanks, et c'est là justement où Trick aurait pu avoir l'impact escompté, pas en allant chercher justement les menaces, mais plutôt en restant en défense et peut-être en livrant les tanks ailleurs. C'est vrai que plus défensif de la part de Trick. C'est vrai qu'on avait quand même pas mal de limites là au niveau des champions en fait des G2, bah, que ce soit justement le Ryze comme j'ai dit tout à l'heure, ou que ce soit le Kog'Maw finalement avec le cooldown du barrage buarcanique qui est handicapant aussi énormément pour lui. On a vu d'ailleurs qu'il était parti sur Essence River, ce qui était un call malin, mais bon voilà, c'est arrivé un petit peu trop tard. Et finalement, est-ce qu'un pic genre comme Varus, qui a des dégâts constants sur des tanks, aurait pas été plus judicieux? Après c'est compliqué, à draft, puisque la draft pour moi, dans cette game, non, je pense pas, parce que c'est vraiment des gros tanks. Bah Varus, enfin, avec une BRK, ça fait énormément de dégâts. On est d'accord, c'est excellent, mais moi je pense que surtout que ça aurait eu de la valeur lors des... Enfin, il y aurait quelqu'un qui aurait bien engage quoi, avec les chaînes de corruption, donc ça aurait vraiment changé toute la dynamique de la partie, je pense. Et d'ailleurs, je voulais juste souligner aussi rapidement quand même la prestation de CuVee, qui pour moi était juste excellente avec son Shogat. Donc certes, évidemment, on a l'habitude de voir les flash-in, festins et tout, qu'on connaît très bien nous Cariadés, mais là surtout au niveau des ruptures, il a été impeccable sur tous les fronts, quoi. C'était incroyable. Et, enfin, le teamfight des Samsung, de manière globale, qui se faisait en deux temps, il a complètement mis à mal la composition des G2. Moi, je me demande quand même qu'est-ce qui a manqué aux G2 pour réussir à monter ou pas prendre trop de retard, tout simplement, parce qu'on sait qu'ils ont un early qui est assez fébrile, qu'ils sont assez passifs. Est-ce qu'ils ne se sont pas justement fait enfermés dans cette passivité, et contre Samsung, c'est le genre d'erreur qui paye. Ils se sont fait lock en fait dans un système où leur seule condition de victoire c'était le Kog'Maw qui arrivait à out DPS finalement et à faire tomber des gens. Ouais. Là où Perkz n'avait malheureusement plus d'impact, là où Trick n'avait malheureusement plus d'impact non plus, et là où Expect finalement on était c'était que de la chair à canon à donner. Donc le fait que Perkz n'ait eu vraiment pas d'argument à faire valoir une fois à un certain stade de la partie passée, ça a été le handicap principal, parce que casque adaptatif, Magic résiste à foison. Pourtant, Perkz a fait le maximum avec son item build. Bâton séculaire, Voice Staff, deuxième item. C'est le max qu'il puisse faire pour balancer voilà, des dégâts au niveau de sa team. Mais juste le pic face à cette composition ultra tanky, honnêtement, il tapait dans des murs en béton armé. Ultra tanky et des dégâts aussi en plus. Je te coupe 2 secondes, on reprend juste après. On a une interview d'Ambition qui est prête. On reprend ça et on continue après. After Samsung secured their spot in the quarterfinals with G2 taking a very Samsung-like late-game approach. What did you think of that approach from G2 to beat you guys in this one? G2 팀 상대로 승리 축하드리고요. G2 팀이 이번 경기에선 삼성 팀과 매우 비슷한 후반 운영식 경기를 준비한 걸 보여지는데 삼성 팀은 더욱더 나은 운영으로 승리를 거두셨는데요. 이런 G2 팀의 경기 방식, 운영 방식에 대해서 어떻게 생각하시나요? 제 생각엔 상대가 워낙에 자크도 그렇고 코고모도 그렇고 좀 워낙에 좀 초반이 약한 픽이어서 좀 수비적으로 했던 것 같고요. 그리고 저희는 그냥 저희만의 이길 수 있는 픽들을 뽑아서 저 자신감 있게 할 수 있었던 것 같아요. I think G2 played a bit more passively because they had drafted pick champions like Kog'Maw and Zac, which are more late game oriented. But we successfully picked our own picks during the draft, so we were confident with those picks, and I think that's what led to a good result. Well, indeed, you guys look impeccable when it comes to the late game and the late game team fights. You, as a very experienced member on the roster Ambition, is there anything you'd like to still improve on going into quarterfinals? 특히 삼성 팀은 이제 후반만 들어서면 정말 강력한 후반 운영이랑 한타 능력을 보여주고 있는데요. 이제 앰비션 선수는 팀의 가장 고참 선수로 가장 이제 경력도 길고 경험 많은 선수로서 삼성 팀이 8강에 들어섰고 또 이후 그 스테이지에 진출하기 위해서는 어떤 점을 보완해야 할 것 같은지 말씀해 주세요. 생각엔 그냥 열심히 하는 게 아니라 좀 목표를 세우고 좀 진짜 더 열심히 연습을 해야 될 것 같아요. 제 생각에는 저희가 좀 되게 저희 자신은 좀 되게 바닥을 찍었다고 생각했어요. 얼마 전까지는. 그래서 지금은 이제 치고 나갈 타이밍이다라고 생각을 하고 있고요. 워낙에 이런 일이 많다 보니까 그냥 저희가 저희 플레이만 잘 하면은 저번처럼 결승까지 갈 수 있지 않을까 생각합니다. I think it's important not to just play and work hard, but we have to set a firm goal as a team. And recently, I think myself, I had reached one of my lowest points in my career, and it's only a matter of time to go up now. So I think as a team together, we all have to set a firm goal and work even harder. And then hopefully for that, we'll reach even better result than last year. All right, well, we'll see you guys in the quarterfinal. Also still that matchup versus RNG for first place later up tonight. But congratulations for now, Ambition, and good luck later on. We're going to take a quick break. We'll be right back with more Worlds action. Don't go anywhere. Et donc un bref retour sur la performance des Samsung et surtout Ambition qui dit que quand on a touché le fond, on peut faire que remonter et c'est ce qu'il pense de la situation de Samsung. Lui, il le sait. Lui, il le connaît le fond, il le connaît. Et belle remontée d'ailleurs de la part de Samsung cette semaine, je trouve. Et maintenant, G2 n'ont plus leur sort entre leurs mains. Ça va dépendre de RNG, Fenerbahçe essentiellement, si je raconte pas de bêtises. C'est exactement ça. Alors on va certainement revoir les scénarios dans le détail, mais... En tout cas, G2, là, cette défaite les met un petit peu dans le mal. Ouais. Pour l'instant, faudrait que je vérifie. On a Samsung et RNG qui sont donc à égalité. Fenerbahçe qui est tout en bas du classement et G2 qui est en balotage en attendant de voir justement si Fenerbahçe arrive à prendre l'ascendant sur RNG. Ça sera donc le match juste après la pub. On se retrouve dans quelques minutes sur Eurogaming.